Sambi apambula moko na moko. Amen. Sambi apambula moko na moko. Kimia ya kolo Yesu Kristo ebila moko na moko na biso. Tozali na kulanda na ino litangi ya liloba ya Sambi. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 15, le verset 1er. Soyez mes imitateurs. Bozala, Mame Kolinangai. Soyez mes imitateurs. Bozala, Mame Kolinangai. Comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christo azali mokonzi ya babali nyonso ya moto nyonso mobali mobali nyonso et que l'homme est le chef de la femme. Pe mobali azali nde mokonzi oyo ya mwasi et que Dieu est le chef de Christ. Nzambe azali mpenza mokonzi oyo ya Christo. Tout homme qui prie ou qui prophétise mobali nyonso oyo aza na kosambela to aza na kosakola la tête couverte motu na ye azipi yango déshonore son chef aza na komemia te mokonzi na ye. Toute femme mwasi nyonso au contraire lisunga boye au contraire na lolenge boye qui prophétise ou qui prie oyo aza na kosambela to aza na kosakola la tête non voilée azipi motu na ye te déshonore son chef aza na komemia te mokonzi na ye. C'est comme si elle était rasée ezali lokola bakati ye suki. Si une femme n'est point voilée soki mwasi akatami alati azipi motu na ye te qu'elle se coupe aussi le cheveu akatape basuki na ye. Oh Njokande, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasé, qu'elle se voile. Kasi amizipa na
L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme est à cause. C'est quoi la femme? Cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. De l'autorité dont elle, la femme, dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Moi si azali te sans mobali. Ni l'homme sans la femme. Mobali pe azali te sa kozanga moi si. Ah, de même que la femme a été tirée de l'homme. Lo lenge moko moi si abenda makina kati ya mobali. De même l'homme existe par la femme. Nde lo lenge moko pe mobali moi si azana kozanga na nzira ya mobali. De même l'homme existe. Na lo lenge moko mobali pe azana kozanga na lo lenge na nzira ya moi si. Et tout vient de Dieu. Manso est accordé par la femme. Jugez-en vous-même. Kasi, bino moko bosa misango. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Attends, on l'aime à côté de la mise de Koinabato. Bon, on a raté d'Ali Soni, n'a pas l'air de la souki belé. Et que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Car c'est dans lequel beaucoup la moisi correcte posera la mort. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Prête sous qui est présenté là qui est le col à Ezipelo. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Pas prête sous qui est présenté là qui est le col à Ezipelo. Ok. Si quelqu'un se plaît à contester, ceux qui m'entendent, attendent à colo capoter mais la mort. Nous n'avons pas cette habitude. Biso tous à la caramo mais ça non on a été. Non plus. Que les églises de Dieu. Nous prenons Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit: Yahweh a le biboui. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Poète, banabasi à Sion, bazali batena lolendo. Et qu'elles marchent le cou tendu. Bazana kotambola kingo et tombama. Et le regard effronté. Et misona bangola kotala. Parce qu'elles font à petits pas. Poète, bazana kotambola na kokene malembe malembe. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Pe bazana ko yokisa makelele ya biloko oyo batiela makolo na bango. Le Seigneur rendra chaud les sommets de la tête des filles de Sion. Nekolo akolongola suki penza oyo ya motu ya bana basi ya Siona. L'Éternel découvrira leur nudité. Nekolo akotalisa bolumbu na bango. En ce jour-là, na mokolo wana, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Nekolo akolongola penza misale loko ezali na makolo na bango, loko na makolo na bango. Et les filets et les croissants. Elongo penza na bafilets pe bakroissants. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Ba biloko na matoyi, ba biloko batiaka na maboko pe na ba ezipelo na bango. Et nous lisons 1 Timothée chapitre 2. Mokanda ya moko ya Timothée. Timothée chapitre 2, le verset 9. Nous lisons nom de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente,
vêtu au balati na lolenge. Au balati na lolenge ya malamu. Avec pudeur et modestie. Balati penza na bokoro pe na lolenge ya malamu. Ne sait pas ni détresse. Batia ko ezali ba biloko ya kobakisa te. Ni d'or. Batia ba wolo te. Ni de perles. Batia ba mayaka te. Ni d'habits somptueux. To bilamba oyo ebetaka na biso ya bato. Mais qu'elle ne sait pas de bonnes œuvres. Kasi baka basa na ndeko ezali ya misala ya malamu. Balata bonzenga ya misala ya malamu. Comme il convient à des femmes. Lolenge oyo esengeli pona tina ya basi. Qui font profession de servir Dieu. Oyo baza na kotalisa ndakisa ya kosalela Nzambe. Que la femme écoute l'instruction en silence. Kasi mwasi ayoka malako nde na kimia. Avec une entière soumission. Na bosokisami manso. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Nazo pe sanzela te na mwasi koteya. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Atako kozwa bokonzi likolo na mobali. Mais elle doit demeurer dans le silence. Esengeli afanda na kati ya kimia. Car Adam a été formé le premier. Bamba te Adama asalamaka moto ya yango. Eve ensuite. Nde na nsima na yango Ewa. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui. Ezalinde mwasi. Oyo. Qui. Mwasi. Oyo. Séduite. Azibisami. S'est rendu coupable des transgressions. Nde peta à côté na kati ya bamabe. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Abobimisama kaka soki akomi mama. Si elle persévère avec modestie dans la foi, soki akoyika piko na lolenge ya malamu kati na bondima, dans la charité, na kati ya bolingo bozambe, et dans la sainteté, pe na kati ya bosantu. Et le Seigneur nous enseigne ces écritures au nom de Jésus-Christ. Bolonde ayebolisa biso makomi oyo na kombo ya Jésus-Christ. Nous allons chanter le cantique de victoire. Sont les cantiques que tu maîtrises bien. Tu vas chanter de tout ton cœur. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Thank you.
Merci, merci.
Le Seigneur puisse nous parler ce matin. Que le Seigneur puisse nous être favorable. Que le Seigneur puisse trouver nos vies précieuses devant de lui. Que le Seigneur puisse se servir aussi de l'instrument de ce matin. À l'entrée temps, les chanteurs continuent avec ce même cantique. Prions le Seigneur Jésus. Oui, nous marchons. Je sais bien, oh Dieu, je dis que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse.
Il faut prendre les conseils du président du culte. Et c'est que lui, topa de la malade, toli, toli l'ennemi, au mokapi, à l'osambo, à pesa, lui, so, yambo, na manso. Et les instruments ne contraignent pas à la distraction. Parce que lorsque tu viens devant de Dieu, Satan aussi se présente. Satan a et nous les constatons dans ses œuvres. Il vient pour déranger aussi les instruments. Il vient aussi pour te plonger dans la distraction. Il vient aussi pour faire en sorte que tu ne sois pas attentif à la parole de Dieu. Et aussi techniquement, nos instruments ont vieilli. On doit aussi les renouveler. Tu dois avoir les soucis aussi de nous procurer, de procurer à ton église des instruments. On nous augmente un peu le volume aussi. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Encore une fois, que le Seigneur Jésus-Christ soit favorable. Je dis toujours que notre assemblée est redoutable. Notre église n'est pas comme toutes les autres églises. Nous nous faisons une marche vers le ciel comme nous venons de les chanter. Les cantiques que nous venons de chanter, c'est vraiment les cantiques de notre vie sur terre. La colline des Sion nous produit des délices qui sont sacrées. Les délices bilingues. Donc la colline des Sion comme le ciel. Nous ne sommes pas encore entrés. Nous n'y sommes pas encore entrés, bien-aimés. Mais ça nous produit déjà des délices sacrés aujourd'hui dans le cœur. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous sommes plongés dans la prière, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on dit cette colline là nous produit des délices sacrés, frère. Avant que nous n'atteignions les ciels, avant que nous n'atteignions pour marcher sur les rues d'or, là où il y a la gloire, frère. La terre, il y a les délices sacrificiels que nous ressentons. Parce que Dieu avait dit à Israël, il avait dit que je vais vous emmener dans le pays où il y a du lait et du miel. Il a dit dans ces pays-là, ça coule du lait et du miel. Mais vous avez remarqué, bien-aimé, dans les déserts, le Seigneur leur a donné la manne. On avait dit que la manne avait le goût comme un gâteau au miel. Les miels qu'ils devaient manger là-bas dans Cana, mais ils ont goûté ça dans le désert. Et c'est les cantiques que nous chantons. Cette délice-là, cette douceur-là du ciel, la douceur-là du ciel, vous voyez la joie, c'est ce que le Seigneur remplit ton cœur, c'est cette joie-là que le Seigneur remplit ton cœur dans la marche. C'est ce que nous chantons, bien-aimés. On dit qu'il refuse de chanter. Ceux-là, Gideon, qui refusent de chanter. Eux, qui refusent, parce qu'ils ne connaissent pas notre Dieu. Mais les enfants du roi céleste, mais les enfants
roi céleste, nous proclamerons les joies. Proclamons toujours la joie. Ils refusent de chanter. Mais nous proclamerons notre joie. Parce que la colline de Sion nous produit des délices sacrés. C'est le chant que nous chantons, frère. Ce sont les paroles du chant que nous venons d'adresser. Nous sommes redoutables, frère. On peut venir ici le mardi, le vendredi, et même dans les intercessions. Il ne faut pas trouver ça comme de l'ordinaire. Dieu est en train de faire un travail. Tu vas remarquer ça dans ta vie, frère. Tu auras horreur de vivre la vie du péché. Tu auras haine de vivre la vie du péché. Alors là, tu vas comprendre que Dieu faisait un travail dans ton cœur. C'est comme ça que Dieu travaille. La Bible dit, puisque tu ne connais pas comment les os se forment dans le corps d'une femme enceinte. Quand une femme est enceinte, toi tu ne comprends pas comment l'enfant se forme là-bas. Même si tu es médecin de femme, gynécologue, si tu... Donc dis quoi, gynécologue. La Bible dit tu ne comprends pas. On dit comme tu ne comprends pas comment les os de l'enfant se forment là-bas l'intérieur. Et la direction du vent, et même tu ne comprendras pas l'œuvre que Dieu fait. Quand elle se met la foi que Dieu est en train de travailler, un jour tu vas constater vraiment que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Tu vas dire que vraiment cet homme-là a changé ma vie. J'étais un homme très amoureux du monde, très amoureux des impudicités, très amoureux des adultères, très amoureux des choses du monde vert. Mais aujourd'hui, regardez comme je suis. Et moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Moi-même, je ne comprends pas la joie qui m'aborde dans le cœur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'homme ne la comprend pas. Il constate seulement après que Dieu est passé par ici. Parce que quand lui passe quelque part, il doit laisser des traces. Il doit laisser des signes. Parce qu'il est le Dieu grand. Il doit marquer qu'il était là. Il y a des matières, frères, sur la terre. Il y a des matières que Dieu a créées. Une fois que c'est quelque part, même si cette matière-là n'est plus dans cet endroit-là, on doit, ça doit constater qu'il y avait quelque chose ici. On doit sentir seulement que la chose là, ça n'a pas, il y avait quelque chose ici dans cette bouteille. C'est ça aussi Dieu. Quand il passe quelque part, vous devez constater qu'il était là. Quand il est passé chez Abraham, il avait laissé un fils. C'est pourquoi nous parlons de la trace du serpent sur le rocher. Quand il passe sur le rocher, il va laisser les traces. Tout serpent dans la Bible n'est pas Satan. Parce que la nature, c'est pour aussi témoigner Dieu. Quand Dieu, comme serpent, passe sur le rocher, il va laisser les traces. C'est lui Dieu dans la maison d'Abraham. Il va laisser la trace qui était Isaac. Lorsque le serpent comme le bâton, on a frappé sur le rocher, il y avait l'eau qui était sortie. La trace de la verge serpent sur le rocher, c'était l'eau qui était sortie.
C'est ça Dieu fait. Et je ne crois pas. Et je ne le croirai jamais. Et Dieu manquera de laisser des traces dans ta vie, frère. Que ce soit spirituellement. Que ce soit financièrement. Que ce soit matériellement. Socialement. Même si tu manques des enfants aujourd'hui. Même si tu manques de l'argent. Même si tu manques des positions sociales aujourd'hui. Dieu va laisser des traces dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va laisser des traces dans ta vie au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur. Et si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Qui nous accusera? C'est pour dire que nous sommes vainqueurs. Le désert. Tu vas te revenir à toi-même. À toi-même.
les nations diront que tu as été impuissant pour les faire parvenir au pays là. Tu as regardé. J'ai dit Moïse a raison. Je dois supporter ces gens. Je dois les supporter. Parce que j'ai le consul ici. Malgré ma puissance, on va dire que j'étais impuissant. Que cette soeur ici, elle priait beaucoup. Elle servait beaucoup le Seigneur. Mais aujourd'hui, elle s'est perdue. Ah, ces choses de Dieu ici. Personne n'entrera au ciel. L'homme ne parviendra jamais à devenir Dieu. Les gens vont confesser comme ça. Il n'y a pas de perfection. Il a dit, qu'il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de vraie repentance à Jésus. Alors les gens vont se moquer de Dieu. Les gens vont mépriser la parole. Et Dieu ne le voudra pas. Lui qui t'a appelé, il te saisira par la main et il t'amènera à la perfection. S'il y a des faiblesses, il va te reprocher. Il est un Dieu patient, frère. Il va te reprocher. Si c'est une punition, il va te les donner. Mais après, il va te reprocher. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Toi, tu ne peux pas aller le chercher. C'est lui-même qui t'avait pris. Dis-toi, viens, suis-moi. C'est lui-même qui t'avait dit ça. Toi, suis-moi. Je te ferai tel. Je te ferai tel. Je te ferai tel. Et enfin, je t'amènerai dans le royaume des cieux. C'est comme ça, le Seigneur. N'aie pas peur, frère. Il faut faire quitter toute pensée dans ta tête. Ah, est-ce que nous allons parvenir? On va parvenir sur la montagne. On va parvenir au sommet de la montagne. C'est ça notre marche, frère. Tout ce que tu vois dans le monde, le Seigneur vous fera marcher au-dessus de tout ce qu'on va parvenir dans Cana. Il avait dit aux enfants d'Israël, il dit la marche que je fais avec vous, c'était comme un père qui a transporté son enfant. C'était comme un papa qui a transporté son enfant. Si tu nous accuses, on va nous justifier. Même si nous sommes dans les mal, le Seigneur nous a aimés. On va nous traiter comme un fils. S'il y a à nous reprocher, il va le faire. Mais il ne nous perdra pas. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Lui qui vous a choisi ce matin. Devant de lui. Lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Il fait toutes choses bonnes pour nous. Tout ce qu'il fait va toujours en notre faveur. Il ne peut jamais faire quelque chose pour te défavoriser. Ce n'est pas un arbitre partial, impartial, non. Non, il est lui-même juge et puis l'avocat. Il est arbitre et aussi joueur d'une des équipes. Là, c'est l'amour de Dieu envers nous. Il nous a aimé avant la fondation du monde. Il faut toujours te le dire en toi. Du moins si tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il est de qui? L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En marchant, l'Esprit doit dire que tu es enfant de Dieu. Quand tu veux faire quelque chose, l'Esprit te dit que tu es enfant.
C'est ce qui doit te garder. Même si tu te retrouves là-bas dans l'autre coin du monde. C'est Dieu qui a créé tous ces coins là où il y a des glaces. Toutes les forêts que tu vois, même si tu te retrouves en plein milieu de la forêt équatoriale, c'est Dieu qui l'a créé. Et puis il est de loin, plus grand que la forêt équatoriale. L'Esprit doit rendre témoignage que tu es en forêt équatoriale. C'est ça notre sort. C'est ça notre sort. Un sort heureux. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il te bénisse richement. Que le Seigneur Jésus te soit favorable. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Nous sommes toujours dans notre enseignement, frère. Sur les choses conformes à la sainte doctrine. Nous prêchons ces choses. Parce que dans ces choses, il y a la vie éternelle. Quand dit sainte doctrine, on avait déjà dit que c'est la doctrine qui a saigné les vies des gens. Alors, si il sait pas cette doctrine, les gens ne seront pas non plus assainis. C'est pourquoi nous enseignons sur ces choses. D'arriver dans la parure de la femme. Et on a parlé aussi du port du voile. Et toi, tu as l'habitude de ne pas venir au cours de la semaine. Tu nous donnes toujours le travail de faire des récapitulations. Amen. Il faut nous faciliter la tâche. Il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On avait dit que la parure de la femme ne doit pas être celle de l'extérieur. Non, ne doit pas être celle de l'extérieur. Non, pas vraiment pas. Être celle de l'extérieur. Mais elle doit être la parure intérieure et cachée. C'est comme ça que veut le Seigneur. Et lorsqu'on observe ces choses-là, toi, une femme, toi, une sœur de l'église, tu es aussi sanctifié. Tu deviens aussi pur. Tu deviens assaini. Parce que c'est l'une des choses conformes à la sainte doctrine. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et Jésus ajoute sanctifié par ta parole. Pour être sanctifié, et le vivre dans ta vie. Parce qu'on a dit tout est sanctifié par la parole. Donc quand on croit, on écoute la parole et on la vit, alors tu es sanctifié. Mais si tu négliges ces choses, tu es aussi souillé. Si tu as la vie de mettre des parures extérieures sur ton corps à l'extérieur là-bas, mais quand tu viens ici, tu parles comme si tu es naturel, comme la parole le dit. Sache que tu n'es pas sanctifié. Ta vie est dans des souillures. Parce qu'une femme en Christ ne doit pas mettre ces choses. On dit ayez non cette parure extérieure qui consiste en toutes ces choses. Amen. Amen. Ça
Amen. On dit ce qui est un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas ces choses-là. Mais c'est la pureté intérieure d'un esprit doux. Et paisible. Et c'est ce que Dieu voit d'un grand prix. C'est pourquoi on avait dit. Toutes ces choses-là de parues. Lorsque le Seigneur voulait parler de son peuple comme une femme, il a expliqué qu'il avait mis sur le peuple toutes ces choses-là. Et ces choses-là représentaient la gloire de Dieu. Et toutes ces choses-là, c'était comme des vêtements somptueux. Et la gloire de Dieu était comme aussi la chevelure de la femme. Ce n'était pas une femme physique. Ce n'était pas une femme naturelle. Mais c'était une femme comme peuple, l'image du peuple. Maintenant, quand il pêche, le peuple pêche. Le Seigneur dit qu'il va venir enlever toutes ces choses-là sur lui. Qu'on lise Esaïe 3, le verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, orgueilleuses aussi veut dire qu'ils ont rejeté la loi. Ils ont rejeté la parole de Dieu, sont devenus des idolâtres. Ils ne veulent plus écouter les reproches des prophètes. On dit qu'elle marche le cou tendu. Et le regard effronté. Effronté, donc ils n'ont peur de rien. Et qu'elle marche à petits pas. Ils font de fierté. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. On avait dit qu'il y a beaucoup de filles de Sion. Mais ils n'ont qu'une seule tête. Toutes ces filles-là n'ont qu'une seule tête. Et la tête, c'était la montagne où il y avait les temples. Et la gloire qui était descendue sur cette montagne-là, c'était ça comme la gloire, les cheveux que Dieu avait donné au peuple. Et les filles de Sion, c'était comme les différentes villes d'Israël. Mais il n'avait qu'une seule tête. C'est un seul lieu d'adoration à Jérusalem. Là où il y avait le temple. Mais ils sont devenus orgueilleuses. À cause de la beauté là. C'est là qu'ils sont péchés. Mais cela veut dire. Quand le peuple pêche, tu viens les répandre. Nous avons Dieu. Nous avons le temple. Là où la gloire était descendue. C'est pourquoi ils étaient devenus orgueilleuses. On ne va pas aller en captivité, on a les temples. C'est ce que Jérémie dit dans Jérémie chapitre 7. Quand ils péchaient, on les reprenait et ils disaient temple de l'éternel.
raser la chevelure. Raser la chevelure de leur tête ici. C'est l'avantage de la prophétie que je veux enlever la gloire qui est sur cette montagne. Et vous allez rester icabode sans gloire. Vous allez rester vide. Il dit, en enlevant la chevelure, et vous resterez nu. Cela veut dire quoi? La chevelure qui est la gloire, c'est aussi les vêtements pour couvrir la nudité du peuple. Vous voyez, tel que nous sommes là, tel que nous sommes rassemblés là, nous avons la gloire de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas marcher sans la gloire de Dieu. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, nous sommes nus. Nous sommes nus, frère. Mais cette gloire-là est conservée au milieu des hommes par le respect de la parole. Par le respect de la doctrine. On va voir ça avec les sacrifices perpétuels. Les sacrifices perpétuels qu'on fait tous les jours, matin, soir. Parce que Dieu avait dit que le feu ne s'allumera toujours et ne s'éteindra point. C'est pourquoi on devait venir le matin, on offre un agneau. Et le soir aussi, on offre un agneau. Le matin encore, on offre un agneau. Pourquoi? Pour conserver le feu. Maintenant, si vous voulez que ce feu-là s'éteigne, venez seulement enlever les sacrifices perpétuels. Amen. Venez seulement enlever les sacrifices perpétuels. Si vous enlevez les sacrifices perpétuels, vous combattez le feu. Vous allez l'éteindre. Les sacrifices perpétuels, c'est l'enseignement. C'est la parole. Le feu, c'est la gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la parole collaborent, ce ne sont pas deux personnes. Laissez-moi avec vos choses là de la doctrine. Ici, c'est la foi par le Saint-Esprit. Non, tu ne comprends pas. Le feu qui ne doit pas s'éteindre se conserve par les sacrifices perpétuels. Le Saint-Esprit, la gloire de Dieu est là où il y a la parole véritable. Maintenant, les filles étaient devenues orgueilleuses. Ils sont devenues orgueilleuses. Dieu a dit, va raser la chevelure des filles de Sion. Et il va aussi découvrir leur nudité. Maintenant, montre qu'est-ce qui se fera en ces jours-là. On a commencé à citer les ornements ou la parure extérieure qui ne sera plus. La parure extérieure là, des bijoux, de beaucoup d'autres choses, ne seront plus. On dit en ces jours-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes et les chaînettes de pieds, les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes. Ah, les amulettes, c'est comme des choses qu'on met sur le corps. Et qui ont une signification. Qui sont considérés comme des porte-bonheur. Un peu combattre aussi les mauvais sorts. Vous allez voir, il y a des gens qui ont des fils autour de la hanche, autour de la taille. Et pour lui, ça a une signification, ça m'éclate contre les antennes, contre les foudres. Et pas il n'y a
Comme on vient de parler des amulettes, donc on a tourné la tina
Donc quand le peuple a la gloire de Dieu, c'est comme aussi un porte-bonheur. Pourquoi je dis que tu n'es pas maudit au nom de Jésus-Christ? Tu n'as pas de masque de vieillesse au nom de Jésus-Christ. Parce que la gloire de Dieu te protège. La gloire de Dieu, c'est plus que ce qu'on appelle les codias. Amen. C'est ce qu'on est en train de parler ici. Parce que Dieu, c'est ton porte-bonheur. Tu n'as pas besoin d'un fil autour de la taille. Tu n'as pas besoin d'un bracelet au bras. Parce que tu as Jésus-Christ. Et il est tout pour toi. Il fait toutes choses pour toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On a parlé de toutes ces choses-là. On dit que c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en nous. Chez les femmes plus particulièrement, doit être manifesté par les bonnes œuvres. Par un habillement décent. Par une manière de vivre chaste et réservée. On avait dit qu'une femme n'est pas une personne effrontée. Donc cela veut dire une femme, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. Non. Une femme, c'est quelqu'un qui a la honte comme nature. Une femme, ce n'est pas quelqu'un qui ose tout. Non. C'est la femme dans le Seigneur. Moi, je vous prêche la femme dans le Seigneur. Une femme n'est pas une personne rétive. Une femme rétive de la têtue. Dans le Seigneur, une femme est quelqu'un de paix. Elle est un esprit doux et paisible. Quelqu'un de serviable. On ne peut pas voir une femme qui a kabakaté. Une femme qui ne partage pas. Quand tu lui demandes service comme ça, ça ne fait pas. On vient voir, on vient dans ta maison. C'est toi la femme qui cache la nourriture. Non. Donc tu n'es pas serviable. Ce n'est pas le comportement d'une femme. Dans le Seigneur, une femme ne peut pas avoir un habillement indécent. Moi, ça peut être la thème là, tu l'as fait des années qui s'est choisi de porter des pantalons. Là, tu as un pantalon. Parce qu'il n'y a aucun couturier qui ne va faire les pantalons pour laisser le corps de la femme comme si des pantalons amples. Et ça, il y a mon tour qui vient là-bas à mon côté. Après, il faut ça, le pantalon, il y a mon amas à la tango. Il y a un cas du pantalon, mon aîné. Il n'est pas couturier des sœurs de l'église. Lui, il coupe des pantalons pour séduire les gens. Quand tu portes les pantalons, tu sens vraiment que ton corps est dessiné. Ton corps exhibe ses formes. Alors lui, il va vendre ses pantalons-là. Dans notre église, on ne permet pas aux femmes de porter les pantalons. Pourquoi l'écriture? Parce que les pantalons de ces siècles sont indécents. Si tu viens à la prière avec les pantalons, il faut mettre un pan dessus. Il ne faut pas les porter en dehors. Non, c'est indécent. Des jupes qui te moulent, te serrent les corps. Oh non, nous on ne porte pas les pantalons, on porte des jupes. Non, pas de jupes. Même tu peux porter des longues jupes, mais qui te serrent les corps, pas ça. Nous nous habillons décemment. Avec pudeur et modestie. Et une soeur ne porte pas des vêtements qui exposent ses cuisses.
comme dans les siècles présents. Non, frère. L'une femme s'habille décemment avec modestie. Tu n'es pas là pour plaire aux hommes. Mais tu es là pour plaire à Dieu et à Dieu seul. Et puis un frère converti n'oblige pas sa femme à porter comme les femmes du monde. C'est pourquoi nous vous disons d'épouser les frères. Amen. D'épouser des gens convertis. Des gens qui ont le sentiment de la parole. Parce qu'il va t'amener aussi sur la voie de la parole. Amen. C'est comme ça une femme dans le Seigneur. On avait parlé aussi du voile. On dit qu'une femme ne prie pas Dieu sans être voilée. Parce qu'il a dans son corps la marque de la gloire de l'homme. On dit Dieu est le chef de Christ. Parce que Christ est là, c'est le Fils. Christ est Dieu comme Père. Christ est héritier. Christ, il dit toujours que le Père est plus grand que moi. Quand les fils ont fait la volonté du Père, les fils c'est les serviteurs du Père. C'est pourquoi on dit Dieu est le chef de Christ. Mais Christ, Christ est le chef de tout homme. Chef ou y a même l'homme. Kasi mobali est le chef de la femme. Azali peda chef ou y a moi si. Ici nous ne prêchons pas que l'homme et la femme sont égaux. Non. Si tu as cette confession là, tu ne verras pas le Seigneur. On dit femme, soyez soumise à votre mari en toutes choses. L'enseignement de Satan qui est dans le monde ne peut pas entrer dans l'église. On dit l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Mais la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Pas pour la gloire de Dieu, la gloire de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Cette parole-là, c'est la vérité. Amen. Ce n'est pas la misogynie ou le fait de détester les femmes, non. Mais c'est la vérité de Dieu. Que s'il existe la femme, c'est à cause de l'homme. C'est pourquoi on dit, lorsqu'une femme prie, prophétise, la tête non voilée, elle désonore son chef. Son chef, c'est l'homme. On n'a pas dit d'abord Christ est pour Dieu, l'homme. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui aiment tout interpréter. C'est pourquoi Paul a commencé d'abord par étaler les scriptures ou bien les niveaux des choses. Il dit que chef de Christ. Christ est chef de l'homme. Et l'homme chef de la femme. On n'a pas dit femme chef de ou femme égale à non. On dit si la femme prie tête non voilée, elle déshonore son chef. Son chef, c'est l'homme. Amen. Amen. On dit, mais l'homme ne doit pas couvrir sa tête. Parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous nous laissons devant la gloire de Dieu. Là, comme maintenant là. Comme maintenant, il y a la gloire de Dieu au milieu de nous. Maintenant, comme il y a la gloire de Dieu, et que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu, comme l'homme a été créé pour la gloire de Dieu, devant laquelle nous nous retrouvons, c'est pourquoi nos frères ne voient pas la tête.
c'est la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, on dit ceci. La femme a été créée pour la gloire de l'homme. Moi aussi, pour la kembo ya mobali. Chose dans son corps. Cette gloire-là. La chevelure. La chevelure, c'est la gloire de l'homme. Souki ezali kembo pour la tina mobali. Ici pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de l'homme. L'homme doit voiler leur tête. Là, c'est pendant les cultes. Amen. Là, c'est pendant la prière. Les hommes ensemble, non. Donc, tu dois avoir les voix sur la tête, même à la maison. Même quand tu veux dormir, je veux prier, tu dois avoir les voix sur la tête. Amen. Amen. Les présents du culte s'élèvent déjà. Mais c'est comme si je n'ai pas prêché. C'est comme si je n'ai pas péché. Ah, nous sommes dans les airs. Hein? C'est comme ça la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça la parole. Il va ensemble dans la candébouille. J'ai dit, comme il y a la gloire de Dieu, alors les femmes doivent se voiler la tête. Quand nous venons ici, rassure-toi que tu as bien voilé la tête. Quand on parle de la tête, là, c'est les cheveux. Vous allez voir, il y a des soeurs qui voient avec esthétique. Elle laisse d'autres cheveux ici. Non, ce n'est pas pour la beauté, non. Pour couvrir. Dieu a les regards sur ça. Si ce n'était pas important, on n'allait pas prêcher ça. Même nos enfants, les petites filles, l'une des soeurs qui est là, la petite fille là, elle ne sait pas voiler. Les parents doivent apprendre à voiler leur petite fille. Amen. Et c'est que là. Parce que c'est ça aussi notre vie. J'ai vu quelqu'un qui pose la question. Il a dit comme les enfants ne comprennent pas vraiment nos enseignements. Il serait pas bon qu'on puisse leur organiser aussi leur propre culte, un cadre. Hein? Ce n'est pas d'abord question de Kodim. Donc c'est la question de démission des parents. Les parents, vous avez aussi une charge que Dieu vous a d'inculquer à vos enfants la parole. D'inculquer la parole aux enfants. C'est pas seulement de travailler pour eux afin qu'ils soient dans le bien-être. Non. Et dans que nos parents sont là. Les papas et mamans ensemble les enfants. Papa et maman avec maman ensemble. Maman Pelongo. Ils commencent à répéter l'enseignement à la maison. Amen. Et puis c'est fait sentinelle de l'enseignement. Papa et maman ensemble. Papa et maman bino pense aux autres de la balle. Que notre frère Cédric est là. Pourquoi l'un des conseillers qui a salué? Ou notre apôtre Eric. Pourquoi l'apôtre Eric est lui qui a salué? Répétez ça à la maison. C'est lui qui commande la qualité et on est pas y a pas dans l'endroit. Et puis ce n'est pas que les enfants n'écoutent rien de ce que nous disons ici. Non. Et lui commande pas dans la vision, mais il y a quand même tout le bagage. Il est aussi. Il y a quand même malade.
nous faisons ce que tu nous as recommandé. Alors tu vas garder tes enfants dans la parole. Tu vas marier tes filles vierges. Tu vas tes enfants sauront les chemins de la parole. Tout ça c'est parce que toi-même maman, tu regardes trop la télé avec les enfants. Et parfois même tu te permets de regarder les hommes qui s'embrassent à la télé avec les enfants. Mais vous avez honte. On dit instruit l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il est enfant, lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est Dieu, Salomon. Quand il avait reçu la sagesse, il étudiait les choses une à une. Il a regardé les enfants qu'on instruisait dès les bas âges. Et lorsqu'ils sont devenus grands et vieux, ils ne se détournent pas dans les chemins que leurs parents avaient appris. C'est pourquoi toi, mon fils, je t'ai dit, instruis l'enfant sur les chemins qu'il va suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On a des maisons très sales parce que les parents ont démissionné. Papa vient à l'église, mais les enfants ne viennent pas à l'église. Maman vient à l'église, mais les enfants ne viennent pas à l'église. Dans d'autres églises, même, tu vas voir, il y a des diacres, mais les diacres, les enfants ne viennent pas. Les pasteurs font des chants du monde. Ils aillent dans la boîte partout. Les enfants, on les aime en les instruisant et en les corrigeant. On les tape pas seulement les enfants. Les instruit aussi. Je cesserai de répéter ça. C'est la brutalité avec les enfants à la maison. La brutalité qui même si tu l'attrapes en flagrant délit, qu'ils sentent vraiment en flagrant délit, dans une ne sois pas brutal. Montre-lui ce que tu veux et ce qu'il doit faire. Il va voir la douceur là. Il va voir cette tempérance là. Ça va les marquer. Il dira que notre papa c'est un papa selon Dieu. Ce n'est pas un papa selon l'Afrique. Ce n'est pas un papa selon les gens du Maniema. Ce n'est pas un papa selon les gens de l'Équateur. Mais c'est un papa selon Dieu. Il te conseille, il te corrige, il te montre la voie, et puis il est aussi patient. La patience, c'est pour que tu vois les fruits de l'œuvre que tu as fait. Alors nous allons gagner ces enfants et tu vas commencer à prier avec nous. C'est comme ça que beaucoup ont gagné leurs enfants. Et nous, nous sommes toujours dans la brutalité. Les enfants ne nous aiment pas. Quand il voit les papas, il a un voyage. Instruisez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. La qui s'abalance là où est-ce qu'elle est là-bas. Faites porter à nos filles les voiles. La qui s'abalance à biso pesé si peu. Ne vous permettez pas de les mettre des ornements au corps. Soit-elle là où on va nous mandoler à moi
Ça leur apportera de la malchance. Ne leur habillez pas ensemble avec des courtes jupes. Amen. Que nos enfants gardent la parole. Moi je connais des filles, des grandes filles. Qui n'ont pas honte de porter de longues jupes et amples. Vous allez voir, les frères de notre église sont en train d'envier ces filles-là. Ce n'est pas le travail d'un seul jour. C'est un travail qui avait commencé depuis le bas âge. Elle s'est habituée à ça. Et elle commence aussi à marcher comme ça. Amen. Instruisez les enfants selon la voie qu'on doit suivre. Dans la disapana pensa qu'on a dit ça. Dis-moi, c'est rien d'abord. 10 minutes seulement. 10 minutes. Merci beaucoup. Il faut les respecter aussi. Amen. Selon la voie qu'on doit suivre. C'est quelque chose qui s'appelle un zélé, c'est quelque chose. Si on ne fait pas ça, on rate tout. Ce qui te salit à côté, te pose un agneau sur pizza. On rate tout. On n'aura même pas des anciens. Pourquoi il n'y a pas d'anciens dans nos églises? Leur maison c'est catastrophique. Les enfants accusés de débauche. Les enfants engrossent les sœurs à l'église. Et les sœurs se prostituent à forte main. Les maisons des hommes de Dieu sales. Les mamans pasteurs sont des grandes colporteuses à l'église. C'est pourquoi même le pasteur lui-même ne se perd. Je ne peux même pas dire que je dois postuler, non, je me présente pour devenir ancien. Parce qu'on va lui dire ta maison, elle n'est pas. C'est ça les choses de Dieu. Nous ne plaquons pas quand nous venons ici. J'ai toujours dit que nous nous sommes décisifs. Tu as ton enfant, tu l'envoies en vacances chez ta soeur. Vous appelez dans la moine à l'autre, que les congés pas de moi. Et encore en livré des mains chères, on lui trouve même l'oreille que toi tu n'avais pas trouvé. Dans les moines à l'autre, moi, moi, ça t'a dit, ma toi, ma toi, la tête. Y'a ton bon, moi, ma toi, y'a t'es pas ma mèche dans ton moi. Et maintenant, je vais faire quoi, c'est Yaya. Et toi, tu aimes Yaya plus que Dieu, c'est ça. Vous allez dire Yaya, mingi, pour les cancers, de bon côté. Quand tu aimes Yaya plus que Dieu. Non. Bon côté. Amen. Les gens de nos familles doivent savoir que nous avons une position. Si tu vas habiter chez eux, tu vas prier dans l'église. Amen. Tout ça vient quand tu confesses que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Quand tu ne voudras pas que quelqu'un joue avec ta maison. Joue avec ta maison. C'est quand on connaît le prix de la parole. On doit être décisif. Si tu ne vas pas l'avoir mollement comme ça, non. Non, c'est un combat. Tu dois t'imposer comme parent. Et Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Dans la Bible, frère. Dans la Bible, on aimait Dieu plus que la famille. Dans la Bible, on aimait Dieu plus que la femme qui couche sur ton sein.
C'est comme ça que Dieu avait dit. Il est quand il pêche. Elle va vers d'autres dieux. Il n'y aura pas un œil de pitié sur elle. Oui, tu es ma femme. Et tu as abandonné l'Éternel. On va te lapider, je te dénonce. C'est comme ça qu'il s'était en Israël. L'homme venant accueilli, il va chez les anciens. Réveillez maman Marina qui dort. L'homme va chez les anciens et il dit: ma femme a blasphémé. Moi, si la salle qui boue. Ah! Il ne faut pas cacher les enfants. Si les enfants sont têtus, amenez-les au prédicateur. Si tu n'as pas, c'est les conseiller, les corriger. Il est arrivé qu'il ne t'écoute pas. Alors tu appliques la procédure de les amener chez le prédicateur. Alors il aura des reproches. Là c'est pour les sanctions, comme la loi le dit. Parce que c'est vous les parents qui avez la maîtrise des enfants selon Dieu. Ces choses-là ont traversé jusque chez nous. On n'interprète pas tout au nom de ton père et ta mère. Les pères, c'est les écritures. La mère, c'est l'explication. Si on n'honore pas les pères, si on n'honore pas la mère, si tes jours ne se prolongeront pas dans les pays, si tu n'auras pas la vie éternelle. C'est pas seulement ça. Cette pratique-là aussi a traversé les Jourdains. Amen. Et elle a demeuré avec nous pratique aujourd'hui. Les enfants tels qu'ils sont là, elles ne doivent pas désobéir. Elles ne doivent pas désobéir à leurs parents. Et eux aussi doivent le savoir. Et toi, parent, tu dois conduire les enfants dans la voie du Seigneur. Amen. Si tu l'amènes dans, si tu le dis dans les volets, il désobéit, il n'a pas péché. Parce qu'on dit élevé selon le Seigneur. Dans une chose qui est bonne. L'église doit être comme ça. On doit garder toutes ces choses. Vous avez posé des questions. Ah. Ne doit pas se voiler, c'est pourquoi elle voit, les cheveux. C'est ce que Paul a répondu ici. Il dit toutefois dans le Seigneur. Toutefois. Même si nous parlons comme ça, que la femme se voit à cause de l'homme ou son mari. Mais toutefois dans le Seigneur, il n'y a pas l'homme sans la femme. Il n'y a pas femme sans l'homme. Il montre comme la femme a été tirée de l'homme. Et de même, l'homme aussi existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Pour répondre que même les soeurs célibataires doivent aussi se voiler la tête. Non, parce que la première femme était tirée de l'homme et elle représente toutes les femmes. Vous voyez comme on dit que la femme ne prend pas l'autorité sur l'homme. Et que la femme n'enseigne pas. Maintenant, on va donner un exemple. On dit que c'est Adam qui a été créé le premier. Et Ève ensuite. Alors dites-moi, je ne suis pas Ève. Ève était déjà morte. Alors moi je vais enseigner, puis je ne suis pas marié. Je peux prendre l'autorité comme je veux. Donc, toutes les femmes sont vues dans Ève. La femme a été créée pour les mariages. C'est comme ça la logique de Dieu. C'est comme ça la logique de Dieu. Il n'y a pas comme ça la femme. Parce qu'à un certain moment, c'est la femme qui enfante l'homme, à part Adam.
Et la femme a tiré de l'homme. On dit toutes ces choses-là viennent de Dieu. C'est pour expliquer que les femmes, même célibataires, doivent se voiler. Elles ne doivent pas rester comme ça, tête non couverte. Amen. Ah. Mais j'avais dit en dehors du culte. En dehors de notre culte. Lorsque tu ne pries pas. Lorsque tu ne prophétises pas. Tu n'es pas dans un cadre d'adoration. Tu es libre de laisser tes cheveux. Voilà. Tes cheveux aussi sont un voile. Et là-bas. Là, c'est pas pendant la prière. Voilà. Verset 15. La chevelure lui a été donnée comme voile. Là, c'est voile pour couvrir la honte qui est les cheveux ou la tête rasée. Amen. Mais il y a voile pour couvrir la gloire de la femme qui est les cheveux. Les cheveux. Mais il y a les voiles pour couvrir la honte de la femme qui est les cheveux, qui est la tête rasée. Parce que depuis l'ancienne alliance, les femmes ne se présentaient pas devant Dieu tête non couverte. Elles venaient toujours devant Dieu tête voilée. Et c'est ce qu'on avait dit dans Nombre chapitre 5. Il y a voile et voile. C'est pourquoi on a dit qu'on va raser ses cheveux. C'est comme on découvre aussi sa nudité. C'est-à-dire cheveux égale voile, égale vêtements. Parce qu'une femme qui se coupe les cheveux ou qui s'est rasé la tête, c'est une femme de honte. Ne te dis pas que je veux faire style Cindy Lequel. Une femme de honte. C'est une femme diabolique. C'est une femme qui est à la multitude de femmes. Nous gardons la lampe, la parole de Dieu. Parce que le fils de David régnera. David, tu es lampe. Et c'est la parole que nous avons. On avait dit voile et voile. Souviens-moi très attentivement parce que je chute déjà. Les 10 minutes que j'avais demandé arrivent déjà à leur terme. J'avais dit voile et voile. Amen. Les corps ici. C'est aussi le voile. C'est aussi un vêtement. Mais tu ne marches pas nu pour autant. Tu ne marches pas nu. Non, parce que tu donnes la raison que la chair aussi c'est un vêtement. On a dit que Jésus nous a inauguré une voie nouvelle à travers les voiles. Et les voiles. Maintenant on explique les voiles. Sa chair. Cela veut dire que les voiles ou les vêtements, c'est aussi la chair, le corps de l'homme. C'est les vêtements pour couvrir l'esprit ou l'âme de l'homme. Amen. Donc alors meurt. C'est comme si l'homme s'est déplié de ses vêtements, il est parti. Ce qui reste là, les cadavres là, c'est son vêtement qui est parti. C'est pourquoi on plaît toujours Jean est parti. Un Jacques parti. Kiala est parti. Parce qu'en réalité, le frère Kiala, c'était pas le corps. C'était l'esprit qui était en lui. Lui n'avait que porté ses corps. C'est pourquoi Dieu dit dans l'église de Sardes, il a dit, malgré qu'il y a des gens ici qui se sont souillés, mais je dis, il y a quelques-uns qui ont les vêtements blancs. Il y a les vêtements blancs que les gens avaient là. C'était les bonnes œuvres qu'ils avaient gardées. La vie de la sainteté. Maintenant, le Seigneur fait une promesse. Il dit, ces gens
c'est le voile et puis comment on va porter les vêtements. Marche nuit alors. C'est pourquoi nous disons la chevelure, c'est le voile. Amen. Amen. Mais dans les cultes, il y a aussi un autre voile. Pour couvrir les voiles, cheveux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ nous soit favorable. Nous allons nous lever. Nous allons remercier le Seigneur pour l'enseignement de ce matin. Et le Seigneur Jésus-Christ nous soit favorable. Remercions-le d'abord pour l'enseignement. Prions au nom de Jésus-Christ.